Bonjour à tout le monde. Bonjour, je vais vous montrer les kits. Donc les kits ont été conçus pour vous alléger, on va dire, pour vous alléger la tâche. Je mets ça en truc. Tu attends d'abord. Donc, pour vous alléger la tâche concernant votre propre vie. Donc, en fonction de votre situation, tu attends d'abord. C'est quand je vais comprendre le kit, je vais commencer, ou tu vas commencer les vidéos. En fonction de votre situation, vous pouvez prendre un kit. Donc, je me suis rendu compte que je passais mon temps à donner les produits aux gens qui avaient... peut-être qu'un ami prend le sel. Après, il voit que s'il fait le sel sans utiliser le savon, ça n'aide pas. S'il prend le sel, le savon, sans prendre le parfum, ça ne va pas l'aider. Donc, au bout de quelques... Je ne parle pas de Dubaï, l'Orient, tu as compris? Ça ne va pas me donner l'argent. Les gens là sont en train de pointer. Moi, je pointe ma part ici. Vous avez compris? Il faut apprendre à regarder ce qui est important pour vous. Voilà. Donc, supposons que tu viens de commencer à regarder ce que je fais. Et tu ne sais pas quel kit il te faut. Je vous conseille de prendre les kits. Ne cherchez pas seulement, je veux le sel, je veux le ceci. Quand tu sais que tu es vraiment mal, sors l'argent, tu fais ton traitement. N'attends pas de me parler. C'est pour ça que je passe mon temps, je vous explique. J'ai les vidéos, ce matin j'ai fait le coaching dans la vidéo. Maintenant, je suis en train de passer en mode guérison traditionnelle. Ok? Donc, vous avez les kits. Donc, ici, c'est le kit de déblocage. Je vais d'abord montrer mes différents kits. Le kit de déblocage a été conçu pour les gens qui ont une situation languissante qui ne finit pas. Ça fait des années, tu es bloqué, tes papiers n'avancent pas. Très souvent, le kit de déblocage et le kit fondation vont marcher ensemble. Donc, l'un des premiers kits que j'avais fait, c'est le kit de déblocage. Et là-dedans, tu as les produits. Tu fais ça avec 3 à 7 jours de jeûne. Tu présentes une situation à Dieu. Seigneur, mon fiancé, tu dois m'épouser. Oh, mon visa que je veux demander depuis là. Voilà. Donc, le kit attraction, les prix que je vous donne sont les prix du Cameroun. Donc, si vous avez quelqu'un qui est venu au Cameroun, il rentre déjà. Vous achetez le kit ici, ça va coûter avec le prix que je vais vous donner. Maintenant, quand le kit arrive aux États-Unis ou en France, il y a des régions de la France où pour envoyer les produits, ça prend plus d'argent que d'autres. Donc, Paris, par exemple, les produits seront un peu moins chers qu'à Nantes. Vous comprenez? Belgique, ce sera plus cher que Paris. Paris, c'est le moins cher parce que pour arriver à Paris, c'est pas trop compliqué. Maintenant, il y a d'autres personnes qui préfèrent prendre des produits directement au Cameroun. Il y a des personnes qui préfèrent prendre chez leur représentant de préférer parce que la représentante va prendre du temps, elle va écouter ce que tu as dit. Elle va peut-être te conseiller. Donc, ces produits marchent de pair avec les lavages. Lavage à distance. Et ces produits que vous voyez ici, que vous allez acheter, ça vous permet de faire votre propre lavage à la maison. Parce que quand vous venez et que vous êtes spirituellement attaqué, vous avez des couches de blocage, des générations de blocage. Peut-être ton blocage vient de ta grand-mère ou de ton arrière-grand-mère. Toi, tu es la troisième génération. Ne pense pas que tu vas prendre un kit, tu vas faire abracadabra, tout va, c'est tout va. Non, non. Non. Bonjour, bonjour. Donc, le kit de déblocage, c'est si tu as une situation particulière. Le kit attraction, ce n'est pas seulement pour se rendre mignonne. Ok? C'est pas seulement, oh, je vais être belle. Oh, non. Tu as peut-être un business, tu vas attirer les clients. Ou bien on te rejette tout le temps. Ou bien quand tu fais quelque chose, tu as passé le test, je ne sais pas combien de fois. Déblocage pour marcher. Attraction pour appeler peut-être les clients. Te rendre plus belle. Quand vous voyez ma peau qui n'a pas de tache là. Tous mes produits que je vends, moi-même, j'utilise d'abord. Quelqu'un qui est conscient de son travail à faire, j'ai conçu ce kit pour que vous ayez l'autonomie spirituelle. Parce qu'il y a des périodes où je ne peux pas parler avec tout le monde. Il y a des périodes où je ne peux pas laver tout le monde, je ne peux pas traiter tout le monde. Donc, tu prends ton kit, tu fais ton travail à la maison. J'ai tellement de témoignages. Il y a une dame qui a témoigné pour le kit attraction. Je crois que c'est le témoignage qu'on a publié aujourd'hui. Elle a dit, elle a utilisé son produit, son kit attraction.
Même en route, seulement, on lui envoie les bisous. Son ex qui l'a quitté pour aller se marier avec une autre femme, il est revenu en force. Elle dit qu'elle n'est même plus intéressée, elle ne veut plus. Donc, parce qu'on a une attraction originelle qu'on est censé avoir. Et ça restaure ça. Donc, tu as besoin d'attraction pour tes clients. Tu as besoin d'attraction pour toi-même. Genre, quand il parle, quand il vend mes produits, quand il fait mes vidéos, tu viens, ma tête te plaît. Pour rien, tu dis que je ne sais pas pourquoi, mais elle me plaît. Quitte attraction. Maintenant, tu peux avoir besoin d'attraction pour le business aussi. Pour que tes clients soient attirés par toi. Tu peux avoir besoin. Je ne. Là, ici, je ne vous montre même pas comment prendre pour quelqu'un. Je fais seulement pour que tu restaures pour toi-même d'abord. Parce que l'autre, là, c'est un autre degré. Le genre que tu peux voler les étoiles des gens, voler tout là. Je n'ai pas besoin de m'expérimenter dans ça là-dedans. Dans l'autre là. Tout ce que je veux vous montrer, c'est comment restaurer d'abord ce qui est à toi. Souvent, tu vois une femme, tu trouves qu'elle est belle. Mais pourquoi ta vie n'avance pas? Tu étais la première en classe. Pourquoi aujourd'hui là? Tu étais Miss du collège. Mais pourquoi aujourd'hui là, on te retrouve, tu as trois enfants, trois pères différents? Blocage. Voilà. Hey, bonjour mes ennemis, comment vous allez? Bonjour, vous allez bien? Oh, vous êtes encore là, vous êtes au rendez-vous. Oh. Je vous bénis. Ok. Donc, le kit attraction, je vous ai montré à quoi il servait. Le kit, je vais vous montrer comment utiliser les kits. Je sais que chaque fois, il y a toujours des gens qui demandent. Le kit infertilité, ce kit, le stock n'est même pas beaucoup, beaucoup vraiment. J'ai peut-être 20 kits ou 30 maximum. Donc, le kit attraction, c'est 25 000 au Cameroun. Le kit déblocage simple, c'est 25 000 au Cameroun. Le kit infertilité, lui, c'est 50 000. Généralement, vous le prenez avec monsieur. Voilà. Le kit célébrité. Beaucoup d'entre vous, vous avez des pages en ligne. On ne vous voit pas. On ne vous voit pas. C'est bizarre. C'est bizarre. Je purifie ce direct de tout Decepticon. Si ta main a glissé, tu es tombé dans mon direct. Que ta main glisse, tu sors. Donc, le kit célébrité, c'est dans le cas où tu sais que tu es censé avoir. Je suis censé être connu. Je fais mes vidéos depuis 3 ans. On ne me voit pas. Tu sais, tu rêves souvent, tu te vois, tu parles à beaucoup de personnes. Tu sais que tu es censé avoir l'argent. Mais tu ne vois pas l'argent, là. Kit célébrité. Tu as un business, on ne parle pas de toi. Tu dois marcher tellement derrière les gens pour qu'on voit même 2 clients. Kit célébrité, on doit parler de toi. Maintenant, on a le kit déblocage plus plus. Ça, c'est pour vous là que vous savez qu'on vous a ensorcelé à un autre degré là. Tu sais qu'il y a le serpent dans ton ventre. Tu sais qu'il y a les trucs dans ton ventre là que. You know fine. L'autre là, c'est pour toi. Là-dedans, il y a des produits anti-sorcellerie. Il y a aussi des produits pour la maison. Il y a aussi il y a un parfum là. Parfum anti-sorcier. Tout ça, c'est ce que les ancêtres vous montrent comment fabriquer. Je fabrique, je vous vois. Après le kit déblocage plus plus, là on a eu beaucoup de témoignages avec les poudres de désenvoûtement qui sont dedans. Beaucoup de situations qui se sont débloquées. Donc là on a le kit commerce. Tu fais une activité en ligne, tu as un magasin, si tu vends quelque chose pour que les gens achètent. Même ceux qui vendent le piment. J'ai des clients qui viennent de Paris. Elles me disent sincèrement que je vends le piment. Il fait comment? Ah, c'est un commerce, non? Je donne seulement. Et ça, Waka. La semaine passée, une est venue ici, là. Elle vendait le piment. Dimanche, elle était là pour le lavage. Elle vend le piment à Paris. Elle me disait que quand elle arrivait, elle me dit que mamie, que même mes clients fuient. Que les filles à qui on donne 150 euros, quand moi, on vient devant moi, on donne 30 euros. Donc, il doit faire même 4, 5, 6 avant d'avoir même 100 euros. Du coup, quand on a fait son premier lavage, elle est rentrée chez elle. Elle est revenue 3 jours pour le deuxième lavage. Quand elle fait le deuxième lavage, dans la salle, là, il y avait un monsieur qui voulait la draguer. La femme m'a fait rire ici, là. Oh là là. Bon, en dernier, on a le kit. On a le kit fondation. Oui, pour le voile mystique. Il y a un savon contre le voile sur le visage. Et ce savon-là, je mets dans le kit attraction. Attraction, oui. Donc, on a le kit fondation. Le kit fondation, c'est un peu comme si tu veux teinter tes cheveux. Tu mets d'abord le truc, tu blanchis. Ça rend tout blanc. Donc, ça nettoie tout.
avant de mettre maintenant ce que tu veux. Ok? Généralement, tu prends attraction, après tu finis attraction. Pardon, fondation. Tu finis fondation, après tu prends le kit déblocage plus plus. Après, tu finis déblocage plus plus. Maintenant, tu prends le kit commerce. Tu finis commerce, tu prends attraction. Et puis, 2 mois plus tard, tu prends encore fondation, tu fais. Vous devez faire fondation si le kit fondation si même pendant 3 à 4 mois. Ne fais pas seulement une fois, vous laissez. Parce que chaque fois que vous faites, vous allez voir un nouveau truc. Il y aura une nouvelle chose qui va vous aller découvrir. Que j'avais dit, oh, mon arrière-grand-mère qui est beau, ça venait plutôt de tel côté. Ça sort, ça s'ouvre en fait à chaque fois. Voilà. Donc, je vais maintenant vous montrer l'utilisation des kits. OK? Donc, je vais commencer par le kit fondation. Bon, tous les produits qui sont ici, vous savez que moi, je suis la reine de l'upgrade. Je change les choses ici-là de temps en temps. Donc, on a le kit fondation. Il y a ceci qu'il n'y a plus dans le kit fondation. Tonnerre de sorcellerie. Tonnerre de sorcellerie dans le kit fondation, j'ai remplacé par un qui est aussi beaucoup plus puissant, c'est cette poudre de désenvoûtement. Donc, tonnerre de sorcellerie, si vous avez acheté le kit, ça fait 2 semaines, vous l'avez peut-être. Non, je ne monte pas encore. Est-ce que j'ai déjà commencé, Mimi? Albert le Grand, oui, le lavage a marché. Bon, je vais donc vous expliquer. Le kit fondation. Ce kit fonctionne avec des enseignements qui sont sur une autre page. Donc, généralement, vous avez le lien. Quand vous achetez, vous avez le lien. Le lien, vous trouvez sur YouTube. Donc, même maintenant, notez pour commencer. Le kit fondation, tu l'utilises quand tu veux nettoyer les fondations maléfiques de ta vie. Donc, tu as des choses qui n'avancent pas. Tu tournes peut-être et de savoir que tu as les fondations à nettoyer, peut-être tes enfants ont le même problème que tu avais, tu as le même problème que ta mère avait, tu te maries, tu es rejeté, l'homme t'abandonne, il part vers une autre femme, on avait fait la même chose à ta mère, ou bien ton père était mort quand tu avais 5 ans, ta mère t'a élevé seule, ou bien tu as grandi sans ton père, tes enfants sont en train de grandir sans leur père. Donc quand tu vois des cycles répétitifs, ça veut dire que c'est dans la fondation, c'est dans ta racine, voilà. Donc dans ce kit, vous avez des encens que vous brûlez. Brûlez les encens dans votre maison, je vous en prie. Ça va enlever les mauvais esprits. Donc, vous retirez une brindille des encens, une brindille. Vous brûlez ça, une de chaque soir. Donc dans ce même kit, vous avez cette poudre que j'appelle maison hantée. Cette poudre, vous pouvez prendre, vous mettez dans les 4 coins de chaque pièce de la maison, vraiment juste une pincée. Après, la même poudre, vous la prenez, vous frottez ça sur le front. OK? J'update mes choses tout le temps. Sous le front, ça sent très, c'est très puissant. Dans le creux du coude ici là, où est le creux du coude, vous frottez ça là sur les 2 côtés. Vous frottez aussi ici. Donc ça peut être devant ou derrière, à l'intérieur ou à l'extérieur. Vous frottez aussi sur les genoux, sur vos genoux. Donc quand vous frottez, ça va beaucoup chauffer. Cette poudre aussi, ça va chauffer. Et puis vous frottez aussi sur la poitrine, là où il y a le cœur. Et vous mettez aussi derrière. Ça, ce sont les entrées sataniques en fait. Donc quand vous frottez, c'est pour sceller ça en fait. Voilà. Donc vous avez la poudre de désenvoûtement. Vous faites bouillir cette poudre-ci dans 3 litres d'eau. 2 jours, vous buvez un verre matin. Le kit fondation coûte 50 000. 2 jours, vous buvez. Le 3e jour, vous prenez un verre, vous pugez avec. Et le jour où vous pugez, vous ne buvez pas. Donc je me puge avec ça 2 jours. Premier, 2e jour. Le 3e jour, pardon, je bois, pardon. Je bois le 1er, 2e jour. Le 3e jour, je me puge. 4e jour et 5e jour, je bois. 6e jour, je me puge. OK? Si vous avez les trucs dans votre corps, là, ça va sortir. Il y a une dame qui a fait le témoignage l'autre jour, je vous ai fait écouter. Elle a dit, quand elle a utilisé cette poudre-ci, elle a fait la selle tellement, pendant 2 jours, ça sentait tellement mauvais, c'était dégueulasse. Elle n'est pas allée au boulot pendant 2 jours. Mais déjà, elle dit qu'elle sentait que les choses qu'on avait mis dans son ventre étaient en train de sortir, vraiment. On a le donne-moi tout. Le donne-moi tout peut s'utiliser. Soit tu te parfumes, tu mets sur les mains, tu me frottes ici, tu demandes quelque chose de particulier, tu mets aussi sur ton cou. Et tu peux aussi mettre quelques gouttes, 5 ou 7 gouttes dans l'eau avec le sel pour te laver. Donc, dans ce carton, on a le sel. Plusieurs couleurs de sel. On a aussi ce sel-ci. Vous le mettez ça comme si c'est la déco à la maison. Donc, il y a des pierres dedans, des cristaux. Donc ça, vous me déposez dans un plat, vous déposez à la maison, ça chasse les mauvais esprits. Donc, vous avez aussi du gel. Donc, il y a aussi ce gel-ci
On a deux gels. Les couleurs peuvent changer. Mais le principe, le principal avec le kit fondation, c'est la cendre qu'il y a dans le gel. Vous voyez bien, il y a la cendre ici. Voilà la cendre à l'intérieur. Donc, quand vous êtes des experts, vous pouvez rajouter même encore même votre cendre dans le gel. Vous lisez, cette cendre a été faite, on a à prier dessus. Donc, vous-même encore, vous lisez le psaume 35 dessus. Et vous utilisez, voilà l'huile rouge. L'huile rouge, je frotte sur mes pieds en disant, si jamais j'ai une malédiction générationnelle, toute malédiction, toute fondation négative, toute malédiction qui m'a été passée par mes parents, qui vient du village d'où je sors, j'enlève. Tu frottes l'huile rouge sur ton pied. Après avoir frotté l'huile rouge, maintenant, tu prends le gel-ci avec la cendre. Tu frottes sur tout ton corps. En frottant, tu parles. Parce que s'il y a des mauvaises... S'il y a des mauvaises... J'appelle ça comment? Des détecteurs. On va dire comment? Il peut avoir la malchance qui te suit tout le temps. Et ça, c'est dû à ton odeur spirituelle. Donc, quand tu te frottes avec la cendre aussi, c'est un peu comme si tu remettais les piles à zéro. Tu te frottes avec ça, tu fais ça pendant 3 jours, tu te frottes partout. Après, quand tu te frottes tout le corps, tu as l'eau dans laquelle tu as mis le sel avec le sel avec quoi? Avec le parfum. Voilà. Tu prends donc cette eau-là, tu te laves avec. Maintenant, dans ce kit fondation, on a ça. Ça, c'est une poudre que vous léchez. C'est plus petit que la poudre maison hantée. La poudre maison hantée, c'est ça. Un peu plus énorme. D'autres personnes, vous avez reçu sûrement dans votre kit fondation, il y avait la poudre écorce. Il y avait l'écorce plutôt. Donc, on a maintenant écrasé l'écorce. Maintenant, on fait ça, c'est en poudre. Donc, si vous regardez cette vidéo et vous avez l'écorce dans votre kit, c'est maintenant ça qui remplace. Donc, vous mettez dans les 4 coins de chaque pièce et vous frottez ça sur votre front, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, ça, on lèche. Vous léchez ça le matin. Quand vous êtes encore dans le lit, vous mettez avec l'huile d'olive. Sans mettre les pieds au lit, tu es encore dans le lit, tu lèches contre les poisons de nuit. Donc, on a le sel. Maintenant, quand tu finis ton lavage, tu as l'huile de blindage. Cette huile, tu peux mettre un peu dans ton huile de tous les jours. OK? Quand tu te laves, vous savez, quand tu te laves, tu vas forcément te oindre. Donc, tu prends ça, tu te oindes rapidement et puis tu es prêt. Une astuce aussi que tu peux faire, la poudre de maison hantée, le reste, s'il y a encore un petit reste, tu mets ça dans l'huile pour te oindre. Tu ajoutes l'huile de blindage. Voilà. Donc, on a une effigie. Celui qui nous défend. Et puis, cette eau bénie, vous la mettez dans un litre et demi d'eau. Et vous-même, vous priez sur ça. Je m'accorde avec la reine Jocelyne et je bénis cette eau. Je déclare ma libération pendant que j'utilise cette eau. Donc, l'eau, vous pouvez l'utiliser de plusieurs façons. Vous versez au centre de la maison, vous déclarez s'il y a tout homme fort qui sort de votre, qui était planté dans votre maison, qui vous embête, vous lui commandez de sortir. Donc, l'huile de blindage, vous pouvez, cette quantité d'huile peut être utilisée 2 fois. Donc, tu mets la moitié dans ton huile. Si tu as des enfants, tu mets aussi l'autre moitié dans l'huile des enfants. Voilà, ça peut durer 1 mois. Maintenant, le cori que vous avez ici, vous mettez ce cori, un cori dans le porte-monnaie. Donc, le médaillon. Le médaillon, si vous le mettez sur un fil, rouge ou noir, et vous attachez ça sur la main. Si vous avez des enfants, prenez-en plus. Ceux qui ont beaucoup d'enfants, là, quand vous faites le kit fondation, quand vous commandez, dites on vous rajoute des médaillons dedans. Mettez ça sur tous vos enfants. Je vous en prie. C'est un médaillon que j'ai béni. On a maintenant le chapelet. Votre chapelet peut venir sous plusieurs formes. OK, il peut être blanc, il peut être rouge. Le chapelet, vous pouvez l'accrocher au chevet de votre lit. Certaines personnes le mettent sur le cou. Certaines personnes le mettent... Vous le disiez, vous priez aussi, hein. Donc, on a ce sachet de prospérité. Vous pouvez accrocher ce sachet à la fenêtre de votre chambre ou bien vous mettez dans votre sac à main ou bien dans votre porte-monnaie. OK? Voilà. Maintenant, il y a cette huile d'olive. Quand tu finis tout ce que tu as à faire, tu te laves, tu prends l'huile d'olive et si tu te oins avec. Tu oins ton visage, tu oins tes mains, tes bras, tu oins aussi tes pieds. Déclare que ton chemin est ouvert. Comme il y avait l'onction sur David, quand on a versé l'huile sur lui, tu déclares que l'onction vient sur toi. Maintenant, dans l'autre programme dont je vous parlais, là, le tissu ici, vous allez l'utiliser. Donc, tu prends le tissu, tu l'attaches sur la tête et tu as des prières particulières. Donc, cette vidéo qui complète ce que je vous explique ici, c'est généralement dans mes vidéos YouTube, je mets en bas. Il y a un lien là-bas, vous vous inscrivez sur la page Podia. Et là, vous avez accès à ceci. Donc, ce qui est fondation coûte 50 000. Avec toutes les explications et les enseignements qui vont avec. Voilà, vous pouvez la voir chez les représentantes. Comme j'ai précisé, c'est pour mettre les choses, les pendules à zéro dans votre vie.
Donc, ceux qui ont déjà fait ce kit fondation, je vous en prie, faites-le au moins pendant 3 mois. Parce que chaque fois que vous allez faire ça, il y aura un démon qui va sortir. Je vous dis. Voilà. Donc, c'est tout. Donc, on a le kit. Je vais prendre le kit déblocage. C'est une situation particulière que tu veux débloquer. C'est bon, tu as encore de l'espace? D'accord. Oui, un kit pour couple. Tu prends ta part, ton mari prend sa part. Soit tu prends un que vous utilisez ensemble. Ok. Bonjour. Donc, je vais vous montrer comment utiliser. Je vais lancer la vidéo. Okay. Je vais vous montrer comment utiliser le kit déblocage. Dans le kit déblocage, j'ai une situation particulière que je veux débloquer. Donc, je vais demander mon visa, je vais composer un test, le permis de conduire pour la énième fois, j'ai toujours été bloqué. Donc, je prends le kit de déblocage. Vous joignez à ça, même le kit fondation, vous faites avec ça 3 jours de jeûne ou 7 jours, selon la direction de l'esprit et selon l'intensité de ce que vous désirez. Tu peux décider, Seigneur, je n'arrête pas de jeûner jusqu'à ce que tu me débloques. Voilà. Donc, là-dedans, vous avez de sel. Donc, quand tu commences ton jeûne, pendant 5 jours de jeûne, le sel-ci, tu vas mettre les deux dans l'eau. Ta prière sera, Seigneur, purifie-moi de toute iniquité. Seigneur, débloque telle situation. Je viens te présenter cette situation, Seigneur. Et ceux qui te déblocagent, on le fait avec le psaume 35, le psaume 51. Le psaume 51, c'est le psaume de purification. Le psaume 35, c'est le psaume contre les ennemis. Ok? Saisis le grand javelot contre mes ennemis, Seigneur. Brandis la lance contre eux. Nanana, nanana. Ok. Donc, vous avez là-dedans la poudre de lavage. Cette poudre, vous prenez chaque fois une pincée, vous mettez dans votre eau. Cette poudre a été faite avec des herbes du village, des herbes de déblocage. Donc, vous prenez, vous mettez dans l'eau. Vous prenez le sel, vous mettez dans l'eau. Donc, vous avez le parfum de déblocage. Ce parfum, vous mettez quelques gouttes, 3 à 7 gouttes. Toujours les chiffres impairs dans votre eau de bain. Vous avez aussi le gel de déblocage. Vous mettez un peu de ce gel dans l'eau de bain toujours. Vous avez le savon de déblocage. Vous utilisez, quand vous avez mis tout ça dans l'eau, vous priez sur cette eau. Vous lisez ce que vous désirez. Donc, pour votre situation, ça vient avec la bougie. Voilà une bougie. Donc, vous allumez la bougie, vous déposez au sol, à côté de votre eau de bain. Ça, c'est une astuce que moi-même j'ajoute. Vous prenez le sel blanc. Vous vous entourez, vous fermez un cercle autour de vous. Dans ce cercle, il y a vous, il y a votre bougie, il y a l'eau de lavage, il y a le savon, tous les ingrédients dont vous avez besoin. Maintenant, vous prenez votre papier, vous lisez ce qu'il y a sur votre papier. Seigneur, je désire ceci, je veux cela. Ok? Dans ton eau de lavage, tu as mis la poudre de lavage, le sel, le parfum de lavage. Seigneur, voilà, j'ai tel projet. Débloque-moi. Maintenant, tu finis, tu prends le savon donc. Tu te frottes le corps. Comme je suis en train de me laver, j'enlève tout blocage sur moi. Je viens enlever tout blocage que l'ennemi a mis à mettre sur ma vie. Au nom de Jésus. Il y a le cadenas. Quand tu parles toutes ces choses, tu dois d'abord ouvrir le cadenas. Tu ouvres le cadenas. Seigneur, je te présente telle situation. Seigneur, donne-moi le visa. Seigneur, ma vie a assez tourné en rond comme ça. Vous pouvez faire ça avec la neuvaine, peut-être. Vous faites ça avec une neuvaine à la Vierge Marie ou bien à l'ange Saint-Michel. Maintenant, quand tu finis de lire ce que tu veux, il y a la bougie qui est dans ta présence. Tu scelles le cadenas. Quand tu scelles le cadenas maintenant, tu retires la clé, tu lances le cadenas dans ton eau de lavage. Comme quoi, je scelle ce que j'ai demandé et l'accomplissement de ce que j'ai demandé. Voilà. Maintenant, quand tu finis, quand vous finissez votre lavage, faites le salaka et vous mettez toujours l'huile sous vous. Oignez-vous et vous faites le salaka. N'oubliez pas. Le salaka, ça veut dire, Seigneur, je te remercie parce que tu m'as donné ce que j'ai demandé. C'est pour ça que je prends ça, je donne à telle personne. Merci, merci, merci. Pour la vidéo, pour le salaka, c'est sur ma page YouTube. Donc après ça, tu prends l'huile, voilà l'huile de déblocage. Tu te oignes tout le corps avec. Et que ton front brille bien, même comme le menyangala sur nos fronts, tout un peu. Maintenant, on a la poudre à boire. Cette poudre, vous mettez ça dans 1 litre d'eau, vous faites bouillir et vous buvez. Un verre par jour, matin ou soir. Donc, vous allez voir que le kit de déblocage est tout petit. Ça n'a pas les encens, ça n'a pas d'autres ingrédients qu'on a dans d'autres kits. Voilà. Donc, on a le kit de déblocage plus. Le kit de déblocage plus a été conçu parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes. Après avoir fait le kit de déblocage, ce n'était pas assez. Pardon. Donc, il y avait encore d'autres produits dont vous aviez besoin.
Bonjour, le kit de blocage coûte 25 000. Le déblocage plus coûte 55 000. Fondation coûte 50 000. Célébrité coûte 50 000. Kit infertilité, c'est 50 000. Kit commerce, c'est 65 000. Bon, on va maintenant parler du kit de déblocage plus. Bonjour à tout le monde. Ce kit de déblocage plus a été conçu avec vous en idée. Vous qui avez beaucoup de blocages, vous êtes calé devant un mur, ça fait des mois, ça fait des années. Donc, ces kits, vous devez toujours les faire avec sur une période précise, avec un jeûne. Et vous devez avoir des intentions claires et précises. Seigneur, je te demande de me désenvoûter. Seigneur, je sens qu'il y a un truc en moi qui ne va pas. Je rejette les hommes. Je commence tel business, ça finit toujours. Wow, donc, quand il y a une chose en particulier, tu viens avec cette situation-là. Et vous devez avoir vos passages bibliques. Psaume 35, psaume clé pour le débloquer des déblocages plus. Psaume 35, le psaume 1, c'est le psaume de restauration. Isaïe chapitre 54, verset 17, pour condamner les langues contre toi. Voilà, le psaume 91 aussi. Donc, ce kit de déblocage plus contient quoi? On a plein de savons. Ce sont des savons avec lesquels vous vous lavez. Quand vous mettez le sel, tout ça dans l'eau, vous utilisez les savons pour vous laver. Donc, il y a différents savons pour différents problèmes. Voilà. Donc, dans ce kit aussi, on a le parfum de déblocage. Vous allez voir que c'est des grandes quantités. Le parfum de déblocage, ça vous mettez, une partie vous mettez souvent dans l'eau en vous lavant, l'autre vous mettez sur vous-même. Il y a une qui a témoigné qu'elle s'était parfumée avec ce parfum de déblocage. Sa patronne dans la journée dit, mais tu as mis quoi sur toi aujourd'hui? Je n'arrive pas à te contrôler. Donc, c'est ça que quand on vous parle, vous maîtrisez, non. Mais ne vous dérangez pas. Vos petits sorciers là, ils connaissent que ce que je t'ai dit là. C'est le nunuk. Comment dire le nunuk, la vérité. Donc ici, il y a le parfum anti-sorcellerie. Vous voyez, le parfum anti-sorcellerie est différent du parfum de déblocage. Vous voyez. Celui-ci là, vraiment, mettez l'odeur de ça là. C'est une odeur qui chasse les sorciers là. Ils vont vous fuir. Donc vous vous parfumez avec, parfois vous mettez quelques gouttes dans l'eau avec le sel et vous mettez sur le corps. Maintenant, vous avez le gel miracle aussi. Donc ce gel, j'ai déjà mélangé avec la cendre aussi. Si vous recevez, il n'y a pas la cendre dedans, vous-même, vous pouvez mettre. Il reste combien de minutes? C'est le compresseur ça a compressé la précédente vidéo au début. Je ne veux pas compresser la vidéo, je veux Non, le seulement entendre téléphone l'a compressé pour supporter la mémoire. ça. Je ne comprends pas. Le téléphone a dit que le nombre de minutes ne pour Donc. supporter. Ça sert beaucoup. J'ai un assez d'enregistrement. Non, il n'y avait pas d'espace. Je t'ai bien demandé s'il y avait de l'espace. Il n'y a pas d'espace. Quand tu mets normalement, ça te montre le temps. Quand tu as le temps en train de finir, ça veut dire que l'espace est en train de finir. C'est ce que j'attendais que tu me dises. Bon, donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Voilà là où vous entendez d'Allemagne. Monsieur Fodding Tamo, bonjour. Vous aimez ce que je fais? Oh, je suis flattée. Merci. Bon, je pense que c'est tout. Parce que moi, je n'aime pas parler plusieurs fois. Vous arrêtez, mis là-bas. Quand tu vois le temps, tu vas quand même me dire. Donc je vais reprendre cette partie.
Bonjour Léa. Le roi Foding, je m'appelle la reine Jocelyne. Oh, you are. Pourquoi vous m'appelez souvent? Bonjour Jocelyne! Comme si on se connaît. Vous me connaissez et vous ne connaissez pas. Voilà. Bon, on relance. Donc, je vais vous parler du kit de déblocage plus plus. Donc, ce kit a été conçu pour ceux qui ont des blocages. Bien plus intense et assez urgent à résoudre. Donc, ça adresse les problèmes intérieurs, c'est-à-dire dans ton corps et extérieur. Donc, ce que j'ai mis dans ce kit, c'est pour permettre de restaurer votre aura, votre chance, enlever certaines choses dans votre ventre, vraiment, ok? Et aussi votre attirance. Donc, ce kit contient, on a mis plusieurs savons ici, les différents savons. Donc vous utilisez le savon comment? Vous mettez dans votre eau de bain, 5 litres environ. Vous mettez 3, 4, 5 pincées de sel. Vous mettez le gel douche. Vous mettez aussi le parfum. Et puis, vous priez dessus. Vous donnez vos intentions. Qu'est-ce que tu veux pour la journée? Et ça peut s'accompagner avec du jeûne. Donc, vous jeûnez 3 à 7 jours selon la direction de l'esprit. Et puis, vous posez le savon maintenant. Vous lavez avec le savon, vous frottez. J'enlève toute ma chance sur moi, j'enlève tout blocage. Après ça, maintenant, vous vous lavez avec cette eau sur laquelle vous avez prié. Voilà le savon. Donc, on a le parfum de déblocage. Parfum contre la sorcellerie. Donc, déblocage là, sorcellerie là. Sorcellerie, il est un peu plus blanc. Vous mettez ça sur vous, toute la journée. Donc, ça repousse les sorciers, c'est ça là. Vous pouvez mettre un peu de ça dans votre eau. Et ne vous en faites pas. Si tu ne peux pas reconnaître une odeur, ça ne veut pas dire que le sorcier ne reconnaît pas. Ça ne veut pas dire que les mauvais esprits ne reconnaissent pas. J'espère que vous avez bien compris l'autre là. Donc si toi, tu ne reconnais pas une odeur, ça ne veut pas dire que le vampire qui va venir pour vouloir s'accrocher sur toi ne va pas reconnaître. Donc ne vous dites pas que... Mais ça ne sent rien. Ce n'est pas parce que ça ne sent pas que le sorcier ne sent pas ça. Voilà. Ok. Donc... Là-dedans, on a l'huile de blendage. Cette huile, vous secouez, vous mettez la moitié dans votre huile pour vous poindre. Ceux qui ont du temps, vous prenez avec votre majeur, vous faites un signe de croix 3 fois sur le front, derrière le cou, sur le cœur, en bas du nombril, avec cette huile. Gel douche. Première option, tu frottes ça sur ton corps, parce qu'on a mis de la cendre dedans. Deuxième option, tu mets sur le gel, sur l'éponge, tu frottes sur toi. Pour te laver. Ça enlève la malchance, le mauvais esprit. Voilà la poudre de désenvoûtement. Tu fais bouillir cette poudre dans 3 litres d'eau. Les 3 premiers jours, ce que tu fais, c'est quoi? Tu te... 2 premiers jours, tu bois un verre par jour. 3e jour, tu te purges avec. 4e et 5e jour, tu bois. 6e jour, tu te purges avec. Tu répètes jusqu'à ce que ça finisse, jusqu'à ce que ce que tu as mis là finisse. Donc là, on a la poudre de lavage. Tu mets 1 ou 2 pincées de cette poudre dans ton eau avec du sel pour te laver. Donc, on a cette poudre à lécher. Tu mets ça avec de l'huile d'olive le matin sans déposer les pieds au sol. Ça s'appelle poudre noire. Tu mets ça, tu lèches. Donc là-dedans, on a ce remède contre les poisons de nuit. C'est sucré. Donc tu lèches ça aussi le matin. Là-dedans, on a des feuilles pour se laver, des feuilles de lavage. On a de l'huile pour se oindre après s'être lavé. On a cet encens. Cet encens, c'est... L'encens contre la sorcellerie. Vous pouvez sentir, ça sent vraiment les produits anti-sorciers là. Donc cet encens marche avec ça. J'ai quand même, je me suis permis de mettre du charbon carrément. J'ai mis du charbon ardent dans le kit. Comme ça, tu reçois, tu brûles un charbon, tu verses l'encens sur ça. Tu te couvres après t'être lavé et te oindre. Tu te couvres. Ça vient sur toi. Généralement, quand je peux connaître quelqu'un. Je peux connaître quelqu'un qui a des problèmes accentués de sorcellerie quand cette personne utilise ça. Et quand on fait ça, la personne commence à tousser.
Ça veut dire que tes poumons, là, il y a des mauvais esprits dans le corps. Ils sont en train de les faire réagir. Donc, l'encens, si tu mets ça, tu fais, on appelle ça un bain de fumée. Avec ça. Maintenant, je vous ai mis du romarin dans ce kit. Il y en a parmi vous, vous ne connaissez pas, vous ne trouvez pas le romarin. Disponible au Cameroun, en Europe, aux États-Unis. Donc, vous faites bouillir de l'eau avec du sucre, vous versez ça là-dedans. Parfois, vous aussi brûlez même ça là à la maison. Vous brûlez ça dans la maison, ça aide l'atmosphère. Donc, on a gel de déblocage. On a, ça c'est l'huile de le miel de commandement. Ce miel, vous le léchez avant de faire tout votre lavage et tout ça. Ça redonne la puissance à votre langue. Pareil que le ndon. Donc, tu manges le ndon, tu lèches le miel, tu commences à parler pour faire ton travail. Donc, on a aussi cette poudre-ci que tu lèches quand tu enlèves les... S'il y a les trucs qu'on a mis dans ton corps la nuit, là, les sorciers, là. C'est pour ça que je veux dire que le kit de déblocage est plus, il y a beaucoup de choses dedans. La bougie. Tu fais ton cercle de sel autour de toi, tu déposes le truc au sol, la bougie, tu allumes pendant que tu fais ton travail. On a aussi le cadenas qui fonctionne avec le même principe. Tu ouvres le cadenas, tu dis tout ce que tu veux, ce que tu désires. Tu dis donc, je scelle ceci par le sang de Jésus. Et là, tu fermes, tu retires la clé, tu lances dans l'eau pour te laver avec pendant tes 3 à 7 jours de jeûne. Maintenant, on a ce sel qui a été béni par ma personne. Ça, c'est le sel pour désenvoûter la maison. Donc, vous ouvrez le jujube qui est dedans, vous versez dans le sel. Et puis, si vous voulez, vous écrasez un peu le jujube sur la pierre, juste un peu. Et vous-même, vous bénissez, vous priez encore sur ça, le psaume 35. J'enlève de ma maison tout mauvais esprit, tout esprit malin, toute sorcellerie. Je vous commande de sortir de ma maison au nom de Jésus. Donc, ces kits sont un peu... dans certains kits, vous avez certains trucs que j'ai rajoutés. Dans certains kits, quand je suis en rupture de stock sur certains produits, je ne mets pas. Donc, ça ne veut pas dire que... Mais c'est dans le cas où vous n'avez pas 5 produits dans ce kit que vous allez me dire que non. Vous me recontactez que vraiment, il n'y avait pas 5 produits dedans. Mais si c'est 2 produits, c'est gérable. Voilà le sel que vous mettez dans l'eau pour vous laver. Il y a les encens que vous brûlez à la maison. Et vous avez un chapelet. Donc, si vous voyez dans votre kit la poudre maison hantée, vous prenez cette poudre-là, vous mettez dans les coins de la maison. Vous versez aussi un peu dans le bidet, vous tirez l'eau. Si vous avez un petit serpent dans votre toilette, là, il va chercher sa route. Voilà. Donc, ce sera tout pour les kits aujourd'hui. Merci. Donc, les kits sont là, vous les commandez. Et aussi ceci pour vous laver. Ça, c'est, je crois que c'est l'hysope. Pour purifier le corps. Tout ceci, ça s'accompagne par la foi. Si vous n'avez pas la foi, c'est que vous allez faire tous les trucs, c'est là, vous allez, oh, je vais faire ça, le marché, ta. Pardon. Mais vous savez que je ne suis pas moi là. Donc, ceux qui ont pris ça, vous pouvez aussi prendre. Vous réservez aussi un lavage à distance. C'est une option. Il y a aussi le kit commerce, pour ceux qui ont les commerces. Il y a le kit. Je crois que j'ai montré le kit fondation. Il y a attraction aussi. Voilà, je vais vous montrer le kit attraction. Le kit attraction, il y a la poudre de lavage. Ça, c'est pour ceux qui veulent restaurer. Je vous ai parlé de ce kit au début. Le kit attraction, tu as peut-être des... on ne te drague pas. Il y a une qui a pris mes produits en décembre. Son enfant a 7 ans. Elle me disait que ça faisait 7 ans qu'elle n'avait pas fait l'amour avec un homme. En février, elle a fait l'amour avec un homme. Elle était contente. J'ai dit que vraiment... Ok, donc dans ce kit attraction, j'ai mis les produits pour pouvoir enlever les mauvais esprits sur vous. Donc ce que j'ai mis, c'est quoi? Il y a cette poudre de lavage, vous mettez un peu dans l'eau avec le sel. Voilà le sel de lavage. On a deux types de sel ici. Le sel d'attraction et le sel sang de Jésus. Ok. Oui, tu peux préparer tout dans ta chambre, tu fais tes prières. Après, quand tu portes tes choses pour te laver, parce que c'est que vous, il y en a, vous partagez aussi les douches avec des gens. Oui, tu ne peux pas tout dans ta chambre, tu passes seulement te laver là-bas. Tu pries, tu fais tout ça là dans ta chambre. Donc, on a aussi l'huile d'attirance pour le kit d'attraction. Quand tu finis de te laver, après ça, tu te ouignes le visage avec. Et je restaure mon attraction. On a le savon d'attraction. On a le savon du visage. Ça, tu laves ton visage avec pour enlever les toiles d'araignée là. On a le parfum d'attirance. Je l'ai fait avec ce petit format pour que vous puissiez mettre dans votre sac aussi. Dans la journée, souvent, tu mets un peu sur toi. Tu pries, je reçois. On a aussi le gel d'attraction. Tu mets ce gel-ci dans l'eau. On a aussi la poudre à boire. Ces deux-là, j'ai aussi des témoignages par rapport à ça. Il y a une femme qui m'a dit que ça a nettoyé son appareil génital. Genre, elle avait des kystes ou quoi que ce soit. Elle a pris la poudre d'attirance ici. Ça a nettoyé vraiment. Je crois qu'on va peut-être poster le témoignage là demain. Voilà. Donc voilà, c'est ça, c'est une bougie rose. Une bougie rose.
vous déposez ça au sol pour la prière. Parfum d'attirance. Donc les deux poudres aussi, là, vous mettez un peu, ça, là, ça peut être utilisé deux fois. Dans le yaourt. Et vous mangez le yaourt avec ça. Ça restaure votre intérieur. Parce qu'il y a parfois les démons dans votre corps qui vous rendent répugnante. Non, j'ai fini. Donc, il y a les démons dans votre corps qui vous rendent répugnante. Il y en a qui vous donnent même une mauvaise odeur. Ouais. Tu ne sais pas pourquoi tu as tout essayé. Mais les gens disent, ouais, on t'appelle, je vais venir te voir. Il y a toujours ce truc-là. Tu vois un peu, non? Donc, c'est à ça que ces kits s'y servent. Donc, je n'ai pas montré aujourd'hui, je n'ai pas montré le kit célébrité. Je n'ai pas montré le kit commerce. Donc, ça, c'est célébrité sur les gens qui veulent être connus. Voilà. Tu as tous ces réseaux sociaux, on ne parle pas de toi. Personne, on ne parle jamais de toi. Mais kit macho, idewaka. Ok, j'ai terminé. Je n'ai pas fait les lavages. Il y a les lavages aujourd'hui. Donc, je vous conseille de prendre votre propre kit, de faire votre travail à la maison. Avec votre jeûne, vous écrivez sur le papier ce que vous désirez. Payez vos dîmes. Faites votre travail spirituel. Et quand vous allez commencer certains de ces kits-là, c'est comme si votre environnement va riposter. Donc, soyez prêts. Oui, vous dites seulement. I'm just saying. Donc, vous passez une très, très belle journée. Et puis, on se parlera demain dans une vidéo. Pour les commandes, les numéros sont là. Vous avez les représentantes. Il y a une à Washington qui distribue au Cameroun, au Canada et dans tous les États-Unis. Donc, elle distribue là-bas. On a aussi une reine en Allemagne. On en a une en Belgique. On en a une en France. Deux en France. On en a... je demande, toi là, tu vas sortir. On en a une à... En Côte d'Ivoire, on en a une à Yaoundé. On a aussi nous-mêmes ici, là, à Douala. Donc, Douala, nous sommes à Maquette, derrière Paja Center. Il y a une menuiserie. Nous sommes en face de la menuiserie. Ça, c'est à Maquette, derrière le lycée. Voilà.